Pierre Garel. C'est qui lui? Là j'ai un doute, je me demande. Non, c'est pas Raphaël. Claude Sarraute. Raphaël Mesrahi. Je cherchais le nom de la fête, c'est Halloween, hein, c'est ça Gérard, hein? Oui. Mais ouais, Gérard, bah, je te rappelle. Mais... Vous êtes affreux, Gérard. Il est pas maquillé. Tu t'es pas fait manucure aujourd'hui, hein? Non. Quelle horreur, c'est Halloween. Et oui, alors certains sont contre, certains sont pour. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, évidemment. Apparemment, vous êtes tous pour sur le... Annie, vous me faites peur. Moi aussi, je me fais peur. Mais vous dites, vous êtes vraiment moche. Oui. Et si je pouvais y aller maintenant, je serais contente. Non, vous êtes si belle d'habitude. C'est gentil. Oh, bah, oh, tout de suite, les gros mots. Ah non, franchement, d'habitude, merci. Vous êtes bandante. Bah, oui. Là, non, alors là, bah, franchement. Mais donc, toi. Mais pourquoi vous sifflez? Vous aurez du plaisir à me retrouver, donc. Moi aussi, d'ailleurs. Et moi, est-ce que je suis bien Dracula? Oui. Oh. Est-ce que c'est réussi, mon côté brûlé, comme ah ouais. Freddy? On a l'impression que je suis brûlé. Ah oui, tu es excitant, là. On dirait Scarface. Moi, je dis que t'étais vomi dessus. Putain, quand même, vous présentez, c'est une chouette. Allez. Oui, qui tourne la tête à tout ce que tu dis, c'est génial. Oui, bah, ça fait deux vieilles chouettes sur le plateau. Allez. Ne perdons pas les bonnes habitudes, il est temps de passer à la photo du jour et c'est celle publiée par Gala de Pamela Anderson traversant une rue parisienne lors de son séjour dans la capitale. Alors bon, on sait qu'il y a beaucoup de circulation dans Paris, mais de là, regardez cette photo, est-ce que les piétons et des airbags, eux aussi, je trouve que c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, elle dit dans Gala, dans l'interview qu'elle a accordée à l'hebdomadaire, elle se sent beaucoup mieux avec des seins plus volumineux. On sent mieux avec des seins plus... Vous pouvez pas savoir, c'est con, j'allais vous poser la question. Oui, c'est vrai, on peut pas savoir. Non, mais enfin, là, la tenue classique du piéton parisien, hein, c'est formidable. Talon aiguille, gros ballon... D'ailleurs, elle a pas la trouille hein, de traverser sur les clous, parce que ça pourrait crever. Annie, vous êtes peut-être la plus pourvue. Quand parmi je suis pas déguisée, je ressemble un peu à ça. On peut rêver. Hein. Mais elle est bizarre quand même, parce qu'elle se met des gros seins, après elle en avait enlevé une partie, maintenant elle en remet. Elle devrait pas se fatiguer à faire des cicatrices, elle va mettre une fermeture éclair. Et puis elle enlève. En fait, c'est normal qu'elle soit à Paris, c'était pour la Toussaint. Vous l'aurez remarqué aujourd'hui. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que vraiment vous êtes aveugle, ou alors c'est que vous regardez notre chaîne et que vous faites que nous écouter. Mais aujourd'hui, c'est Halloween. Non, si, c'est Halloween. Donc peut-être, comme nous, vous allez en profiter pour vous déguiser, vous faire peur et creuser des citrouilles pour faire des beaux lampions. En tout cas, vos enfants l'ont sûrement fait dans les écoles. Dan Bolander, notre sorcier du rire, a lui justement voulu tester pour nous les dangers de la citrouille d'Halloween. Regardez cette caméra cachée par Jean-Pierre Petit. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé les citrouilles maléfiques d'Halloween. Bonjour madame. Pardon de vous déranger. Il y a beaucoup de citrouilles qui sont contaminées. Alors, on est en train de contrôler la plupart des citrouilles. Écoutez, on va inspecter celle-ci. Vous devriez lui faire un œil ou une bouche pour l'inspecter, ce serait plus marrant, ce serait plus de saison. On n'est pas là pour s'amuser, madame. Ah bon? Bon, celle-ci est contaminée. Bah, celle-ci, elle est naze, hein, je vais vous dire. Alors, je peux même pas la décorer.
On va laisser quelques-unes qui ne sont pas contaminées. Ben, il va falloir toutes les ouvrir. Hein. Oh non. On va vous donner de quoi les remplacer, ne hein, vous inquiétez pas. Alors vous allez me donner quoi? Attends. Ce sont des choux-fleurs. Ouais, vous les avez testés? Non, non, mais les choux-fleurs ne sont pas contaminés et ils sont oranges, donc ça remplace assez pour eux. Je décore ça pour Halloween. Exactement, oui. Alors vider un chou-fleur pour pouvoir mettre des fleurs à l'intérieur et puis faire mettre une bougie, ça va être difficile. Hein. Ah, il y a des fantômes! Il y a des sorcières! Il y a de l'Halloween dans l'air! Bonjour madame. Pardon de vous déranger, je vois que vous avez une citrouille en vitrine. Oui. On peut la contrôler? Écoutez, cher monsieur, je veux bien vous la donner. Bon. Vous allez me l'abîmer, ma citrouille? Non, on va pas l'abîmer, on va juste la contrôler. Et personne n'a annoncé rien à la télévision, ni à la radio, ni rien. On l'annonce ce soir, vous voyez. Ah oui, mais vous êtes marrant, vous. Mais les gens ont acheté les citrouilles. Moi, je sais pas, mais il fallait faire l'annonce avant. Mais ma citrouille, elle est foutue. Non, madame, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Non, mais on va... Je peux pas la laisser au magasin comme ça. Ne prenons pas de risques. Ah hein. Oh là 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 là, quand on voit ça. Bon, vous avez de la chance parce qu'elle est bonne, celle-ci. Bah, je vais pas la mettre comme ça, là, au magasin, monsieur. Non, mais c'est bon, elle n'est pas contaminée, madame. Bah, c'est complètement idiot. Grâce à Halloween, en tout cas, depuis 6-7 ans maintenant, évidemment, on vend beaucoup plus de citrouilles en France qu'on en vendait avant. C'est déjà ça de gagner. Qui est pour Halloween autour de cette table? Qui fête Halloween? Gérard, pour commencer. Je ne fête pas Halloween, mais je vois absolument... Non, je te vois bien. Mais aujourd'hui, on fête Halloween, dit-il. Non, mais j'étais ravi de me déguiser pour cette occasion. Une occasion de plus de faire la fête. Et ça n'empêche pas de faire d'autres fêtes. Vous, Annie Lemoine? Moi, je trouve ça bien. Les enfants s'amusent. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est bien. Bon, pas de problème avec ça, alors. Aucun. Okay. Mesraï? Moi, je suis contre. Pourquoi contre? Parce qu'elle est pour. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour, je trouve ça trop dangereux. Une soirée d'Halloween, j'avais dragué une fille et le lendemain, je me suis aperçu qu'elle était pas maquillée. Bah moi je suis pour parce que mes neveux, ça les amuse beaucoup et je leur achète plein de trucs. Mais j'ai jamais su vider une citrouille parce qu'ils voulaient que je le fasse. Je me suis coupée et c'est vachement dur à vider. Alors moi, j'ai fait Halloween avec une orange. Parce que c'est moi, avec des petits trous dans... Mais c'est pas évident de vider une citrouille. Parmi ceux qui ne vont pas fêter Halloween, on va accueillir tout de suite sur le plateau quelqu'un qui nous vient d'Alsace. Et ce soir, au château de Saint-Sixte de Freistoff, il célébrera la nuit de la betterave creusée. Monsieur Jean-Louis Père. Ah, il y a des tas de surprises ce soir sur ce plateau. David Pujadas, on avait dit pas de déguisement avant le journal. Ah. Bonsoir, monsieur Hyper. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que vous avez amené, là? Des Rommelbautzen. Ah, c'est ça, la betterave creusée? Voilà, c'est ça. Alors, vous voulez pas creuser des citrouilles, vous voulez creuser des betteraves. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est traditionnel chez nous. On a de tout temps creusé des betteraves pour fêter cette fête. Avant Halloween. Salut. Oui, avant Halloween, effectivement. Avant Halloween, c'est une très très ancienne tradition. D'ailleurs, j'ai amené ici... Une tradition alsacienne? Non, une tradition mosellane. Je tiens à rectifier. Nous venons du département de la région Lorraine. Excusez-moi, nous sommes c'est impair. Nous sommes du département de la Moselle. Mesdames et Moselle. La Moselle. Très bien, c'est très bien. On la l'attendait. Moselle, voilà. Et c'est à la suite de la découverte de cette... C'est pourri le jeu de mots. Non, c'était bien. Oui, pardon. C'est à la suite de la découverte de cet ancêtre, quoi, donc une très très vieille Rommel momifiée, que nous avons décidé de revisiter ce qui était traditionnel chez nous, c'est-à-dire le fait de creuser des betteraves. Vous faites une betterave partie. En quelque sorte, oui. Mais la betterave est crue quand vous la creusez. Pardon? Elle est crue quand vous la creusez. La betterave vient juste d'être récoltée au jardin ou dans les champs, donc en voici une qui a été creusée tout récemment. Voici donc l'ancêtre, à peu près 2500 ans, hein, nous l'avons exceptionnellement amené pour vous aujourd'hui. Elle a 2500 ans? Elle est plutôt bien conservée. Vous savez que l'année dernière, on a quand même vendu ta gueule, toi. Vous savez que... Oh, ah, la pauvre bête. Ah bah oui. Non, vas-y, exprime-toi, t'as raison, on s'en fout. Et du coup, c'est fait. C'est joli, hein. Très belle, très belle. Allez, chouette. Chouette être prêt. Alors, c'est l'année dernière, pour ta gueule. Pour 2001, pour Halloween de l'an dernier, on a quand même vendu en tout 8 millions de citrouilles. On les compte un peu? Vous ne vendez pas autant de betteraves, hein? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans votre château? Enfin, je dis votre château, c'est pas votre château. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir dans ce château? Il y a des stars académiciens qui chantent. Alors, nous allons également faire la fête.
mais autour de ce thème des betteraves creusées, c'est-à-dire que pour nous, le support au frisson, le support à l'effroi sera le compte, parce que la manifestation que nous mettons en place au château de Freistorf est la soirée de clôture de notre festival de contes et légendes. Tu vas te fatiguer avant moi, salope! Allez-y, monsieur, moi je vous écoute avec Isabelle. Oui, oui, excusez-moi. Donc, des conteurs. Trois conteurs. Donc, en fait, cette soirée, des Rommelbautzen. Oui, allez-y, vous tenez votre sujet, voilà, monsieur. Oui, oui, absolument. Bien, je disais que, en fait, cette soirée des Rommelbautzen, que nous appelons donc la Rommelbautzenat, est la soirée de clôture d'un festival de contes et légendes que nous organisons au Pays de Niers. Cette soirée a lieu au château de Freistorf et nous faisons venir trois conteurs qui sont spécialisés dans le conte de froid et d'effroi. Et cette mise en scène sera faite avec ces betteraves. Quoi. Donc les abords du château, le château lui-même, les fenêtres du château, parce que c'est comme ça que l'on procédait chez nous. On posait ces betteraves sur les murs des cimetières. Vous êtes imperturbable. Vous êtes génial. Je ne sais pas si vous savez, c'est l'autoroute. Vous venez de battre le record de l'interviewé imperturbable pendant que tout le monde autour de vous fait l'imbécile. Alors, regardez votre intervieweur, là. Bravo. Moi, je n'aurai qu'un mot. Comme ça, c'est fait. Monsieur Hyper, vous êtes super. Merci beaucoup. Probablement qu'on va s'amuser en Moselle ce soir. En Moselle, effectivement. Vous n'avez rien suivi. Bah, je suis capable de tout répéter ce qu'il a dit, le monsieur. Oh, s'il te plaît, ça va. Ça va. C'est amusant, lui. Non, mais parce que tous les ans, en plus, c'est un marketing Halloween. Donc là, j'ai en exclusivité les objets qui vont faire fureur cette année. Elle va se calmer, la chouette. La chouette avec la cape. Allez. Donc là, cette année, en objet qui fait fureur, on a le cerveau de Stevie. Mais on a d'autres choses, notamment, vous l'attendiez, la poupée qui fait peur, la poupée Annie Lemoine. La fameuse poupée Annie Lemoine, et quand vous appuyez dans le dos, regardez. Tu veux que je te raconte une blague cochonne? Voilà. Okay. Une photo étonnante. On a la photo de Derek sans son chapeau, si on peut la voir. Ça fait peur. On a également des vraies toiles d'araignée qui ont été prélevées dans la salle de musculation de Raphaël Mesrahi. Ah oui, ça vient sous. Ça, c'est là. Et enfin, ce qui fait le plus peur à Laurent Ruquier. Bonjour. Vous êtes qui, monsieur? Je suis un téléspectateur du Big Deal. Vincent, j'arrive. Allez, au revoir. C'est ça. Oh la gaffe! Vous avez eu peur, hein? On va vous laisser rentrer dans votre château, monsieur Hyper. Bonne fête ce soir. Je vous remercie beaucoup. Vient de sortir en librairie Renaud, sa vie et ses chansons aux éditions Segers, une biographie du chanteur écrite par son propre frère Thierry Séchant. Vous apprendrez tout sur son enfance, ses débuts dans la chanson, dans les années 70, sa traversée du désert, et enfin, son grand retour à la tête des hit-parades avec son album Boucan d'enfer qui a fait un tabac cette année. Renaud sera au Zénith plusieurs fois dans l'année qui vient en tournée internationale. Et nous allons tout de suite recevoir Thierry Séchant pour Renaud, sa vie, ses chansons. Ah, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, vous. Oui, pourquoi? Ça ne vous déplaît pas, cette ambiance? De citrouille? Oui. Ah non, moi je n'ai qu'une trouille, bleue. C'est d'être ici. D'être ici, oui. Mais alors, ça, vous avez cette particularité, ce point commun avec votre frère Renaud Séchant. Vous, Thierry, c'est vraiment d'être traqueur, d'être timide. C'est épouvantable. C'est terrible. Aussi. C'est terrible, il tremblait. On lui a demandé en coulisses de me tenir la taille, il tremblait. J'étais ému, à souhait. Pas du tout, c'est parce qu'il a le trac. Alors, on retrouve dans ce bouquin Renaud, sa vie et ses chansons plusieurs paroles, plusieurs textes de Renaud. Et on voit qu'ils tiennent la route sans la musique, hein, ces textes de Renaud. Mais aussi un peu son histoire, sa vie, brièvement. C'est pas une biographie... Exhaustive, non. Voilà, vraiment. Mais là, vous avez dans la mesure où c'est le troisième livre que je consacre, je pense qu'en lisant les trois,
on doit être à peu près au courant de la vie et de l'œuvre de Renaud. Là, évidemment, c'est avec l'accord de votre frère. Renaud est totalement... Chez l'imprimatur. Voilà, il faut bien dire, il est d'accord avec la publication de ce livre chez Segers, Poésie et Chansons, la biographie de Renaud. Annie Lemoine, vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu. Pardonnez-moi, mais ça vaut surtout, et en tout cas aussi, pour les textes de Renaud qui sont dedans. Quoi. Parce que, quand on, par exemple, à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, et ben voilà, c'est rien. Mais il y a la chanson qui revient. Tu le dis moins bien que lui, hein. Je ne veux pas te faire de peine. Mais il ne le dit pas, il le chante. J'ai pas envie de m'asseoir sur un banc avec toi, là. Mais effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte que ces textes, et c'est très rare, peuvent se lire sans musique. Exactement. Et sans donc, c'est presque c'est un classique. Voilà, faudrait presque l'étudier dans le lycée, vous ne trouvez pas ? Il est étudié dans le lycée. Ah, vous savez qui a critiqué ce livre en premier ? Ah non, je ne sais pas. Mon cul ! Ça y est ! Votre frère comprendra ! Attendez, il faut quand même lui expliquer, parce qu'il y a un jeu complètement idiot, il faut que la personne dise qui... C'est son frère qui nous l'a appris. C'est son frère. C'est votre frère qui nous l'a appris. Vous le connaissez, ce jeu ? Non. Oh, bah alors, on a passé une semaine cet été, on a eu la chance de croiser Renaud, on a passé une semaine à se téléphoner et à passer des bouffes, à essayer de se faire dire mon cul. Et j'ai jamais réussi à l'avoir, mais ce soir, j'ai eu son frère. Vous, Figaro, vous avez lu ? Oui, je l'ai lu, mais j'avais quelques questions à poser au frère de Renaud pour savoir si c'est d'abord si c'est vraiment lui qui a écrit le bouquin, ensuite savoir si vous connaissez vraiment votre frère, parce que vous savez, dans ce métier... Ah, c'est un test, alors, qu'on fait tout de suite. Oui, un genre de petit test. Allons-y, alors, allons-y, oui. Alors, par exemple, en quelle année Renaud redouble-t-il sa troisième ? Oh là. Attention, si vous ne répondez pas aux questions, vous allez devoir boire une mixture que nous avons concoctée pour Halloween. À chaque mauvaise réponse à base ou absence de réponse, vous allez devoir boire ceci. Alors, en quelle année a-t-il redoublé sa troisième ? 65. 65, c'est non, 66. Alors ? Oh là là. Mais non, c'est pas ça du tout, tout le monde crie. 66. Non, 67. Alors, il faut boire. Moi, j'ai la vraie biographie de Renaud. Bon, allez, là, vous pouvez plus reculer. C'est qu'est-ce qu'on vous a mis dedans, Berk ? Eh ben, bon courage. C'est, allez. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas, à base de cassis, apparemment. Bon, alors, autre question. Alors, deuxième question. La marque de sa première moto ? Une BSA. Le chiffre, un peu, quand même. On fait oui, BSA quoi ? BSA quoi ? Je connais rien en moto. 850, je crois. Non, c'est 350. 350. Bon. Allez, un petit coup. Alors, encore un petit coup. Attends. Voilà. C'est moi, je vais le faire boire, pour être sûr qu'il boit. Faut tout finir, Et voilà. Troisième question, Sophie. Alors, maintenant, celle-là, vous devrez être au courant. Combien de pages contient le livre « Bouquin d'enfer » de Thierry Séchant ? Combien de pages ? Si c'est vous qui les avez écrites, vous les avez comptées. Ça se paye, le papier. Je déteste la torture. Non, mais je demande l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, là. Parce que... Gérard, vous avez lu Renaud, sa vie et ses chansons ? Moi, je suis très mal à l'aise avec Thierry Séchant. Mais c'est vrai que j'aurais envie d'être cruel moi-même avec vous. Je ne vais pas l'être aujourd'hui parce que je vous sens tracté. Et c'est vrai que vous êtes pour moi une des personnes qui avait eu la plume la plus méchante et la plus discutable de ces dernières années. Et notamment lorsque vous avez parlé politique, moi je me suis dit si un jour je le rencontre, je lui rentre dedans. Bon, j'ai absolument pas envie de le faire aujourd'hui, mais est-ce que vous vous rendez compte... Mais vas-y, c'est est-ce le moment que, est-ce que vous vous rendez compte que... À un certain nombre d'occasions, en écrivant dans certains journaux, vous avez franchement dérapé. Parce qu'aujourd'hui, je vous trouve tellement gentil, traqueur et tout, que je suis embêté. Je peux effectivement avoir parfois un peu dérapé, mais ceux qui me connaissent savent que c'était un dérapage contrôlé, même si je n'ai pas toujours été très bien compris. Mais je ne crois pas effectivement que ce soit le lieu et l'heure de parler politique, mon cher monsieur Miller. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je m'étais dit, un jour, je lui dirais ça. Bon, alors, cela dit sur le livre... Vraiment, c'est un sans-faute, je trouve plutôt très réussi. Et en plus, je trouve que la vie de Renaud est assez exemplaire, y compris dans le fait qu'elle n'est pas du tout justement une vie de héros. C'est une vie plutôt de quelqu'un qui souffre, plutôt de quelqu'un qui travaille. Et je trouve que ça le rend encore plus attachant qu'il n'est. Comme j'ai adoré son dernier album, j'ai adoré votre livre. Vous voyez que je suis gentil. Merci, Gérard. Isabelle Mergaud. Alors, je l'ai lu. J'aime beaucoup Renaud, donc ça m'a plu. Mais en fait, j'aime pas tellement les biographies en règle générale, parce que d'abord, je trouve que c'est un peu morbide, les biographies, surtout que, enfin, quand la personne est vivante. Oui, parce qu'une fois qu'elle est morte, c'est plus du tout morbide, non ?
Tu me fais passer pour une conne. Mais non, mais c'est vrai. Quoi. C'était mon début de phrase. C'était ce qu'on appelle une introduction à quelque chose d'assez brillant qui va venir. Vas-y, chérie, vas-y. Allez, allez, Isabelle, accroche-toi. Et parce que je trouve que l'œuvre d'un artiste parle 10 fois plus que tout ce qu'on pourra jamais écrire sur lui, et spécialement en ce qui concerne Renaud, ses chansons se suffisent à lui-même pour comprendre l'homme et même pour comprendre sa jeunesse et pour savoir. Non, je suis pas sûr. Je pense que lire sa biographie, lire son parcours, sa trajectoire, c'est mieux comprendre ses chansons. Mais moi, j'aime les biographies, je lis les autres, donc je vois pourquoi on n'aimerait pas une biographie de Renaud. Non, mais c'est vrai, parce que pour un chanteur à texte, je trouve que c'est intéressant ce parallèle entre ce qu'il vivait et ce qu'il écrivait, parce qu'on voit qu'il y a une corrélation évidente, surtout pour un chanteur qui a vraiment des textes comme Renaud. Et puis, c'est aussi un témoignage d'une époque, on voit que l'époque a beaucoup changé sur un truc, moi, je trouve. C'est notamment, à ses débuts, le public était sceptique parce que Renaud chantait mal. Ses textes étaient plutôt mal fichus et ses musiques étaient plutôt pauvres. Alors qu'aujourd'hui, ça suffit, c'est 3 bonnes raisons pour faire un tube. Tout calme. Une dernière question à vous poser, peut-être la plus difficile, en tout cas pour y répondre, c'est quelles sont vos 3 chansons, le trio des chansons préférées de votre frère Renaud ? Mistral gagnant, bien sûr. Mistral gagnant. Cœur perdu, le prochain single de Renaud. Et puis, Adieu Minette, une chanson très drôle. Mais... Très bien, parfait, on vous remercie. Thierry Séchant, écrit Renaud, sa vie et ses chansons. C'est aux éditions Segers. Vous pouvez en venir vers, si vous voulez. Non, je suis capable. Merci. À bientôt. Je voudrais, avant de passer à notre invitée suivante, qu'on remonte encore cette chouette et ce hibou et remercier les aigles des remparts de province. Allez, sans plus attendre, sachez que la semaine prochaine, vous pourrez écouter Le vieil homme qui faisait danser les saisons. C'est aux éditions Atlas, un conte musical pour enfants écrit et raconté par la douce et jolie voix de Marlène Jobert sur la musique de Vivaldi. Toujours dans le cœur des parents pour ses rôles dans Les Mariés de l'an 2, Dernier domicile connu ou Nous ne vieillirons plus ensemble. Elle est aussi maintenant dans le cœur des enfants pour ses contes musicaux. Voici pour tester Le vieil homme qui faisait danser les saisons, Marlène Jobert. N'aie pas trop peur. Eh bien, écoutez, je ne m'y attendais pas, alors ça m'a un peu surpris. Ça choque un peu quand même. Hein. Ben ouais. Vous qui, justement, maintenant, vous occupez des enfants, en tout cas, écrivez des contes pour eux et les illustrer musicalement, peut-être pas, parce que c'est quand même M. Vivaldi lui-même qui a prêté son œuvre. Il a été sympa. Il a été sympa. Voilà. Est-ce que Halloween, ça plaît aux enfants vraiment ? Vous êtes pour, vous ? Ben, moi, je ne veux pas rater une occasion de rigoler. Et les enfants aiment bien ça. Ils aiment bien avoir peur. J'ai des soucis avec mon plus grand. Vous pourrez lui raconter une histoire pour l'endormir, parce qu'il est taquin, lui. L'adresse de son dermatologue. Oui, c'est mon petit dernier. En fait, pour tout vous dire, ce sont 2 candidats de France 2 qui ont fait Fort Boyard la semaine dernière. Sophie, est-ce que vous avez testé sur vos enfants ou petits-enfants ? Là, en ce moment, c'est les vacances scolaires. En tant que grand-mère, j'ai hérité des 2 monstres. Les enfants ont été subjugués. Ils sont restés là. Alors, le plus petit m'a dit, c'est bien ce qu'elle dit, la dame. Il y en a même un qui s'appelle Antoine, comme moi. Seulement, le violon, j'aime pas. Voilà, il aimait pas le violon, mais vous, il vous adore. Le deuxième a dit, c'est bien, j'ai tout compris. Il faut dire qu'il est extrêmement intelligent. Et ton mari, dire qu'il a 28 ans. Il a 32 ans la semaine prochaine. Non, ça, c'est formidable. J'ai gagné 1 heure de babysitting grâce à vous. Merci, Marlène. Oh, écoutez. C'est un carton cette année, hein, cette affaire-là. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et c'est vrai que pour Noël, c'est parfait. On parle d'Halloween aujourd'hui, mais pour Noël, c'est le cadeau idéal si on veut effectivement apprendre la musique classique à ses enfants de façon intelligente, amusante. Leur faire aimer. Voilà, pas leur apprendre, les éveiller. Je leur fais voir que c'est... Écoutez, c'est joli, ils trouvent ça bien. Ouais. Ils ont envie d'en écouter plus. Gérard Miller. Moi, je suis un inconditionnel. Marlène le sait, je trouve ça intelligent, je trouve ça drôle. Je trouve vraiment bien ces créations-là, parce que surtout, on a tellement l'habitude de parler aux enfants comme à des imbéciles ou comme à des... personne dont on veut se débarrasser, et vous, vous en parlez avec intelligence et amour. Mm-hmm. Et vraiment, je conseille absolument ces livres. Je l'avais déjà dit tout le bien que je pensais des
précédente publication et celle-là est très très bien. Parfait. Annie Lemoine. Ah oui, moi je trouve ça formidable aussi parce que je l'ai mis sur mon ma platine et je me suis laissée avoir. Elle s'est endormie. Non, mais je me suis laissée avoir comme si j'avais 5 ans quoi. Vous avez une voix. Je sais pas. Moi j'ai marché comme si j'avais 5 ans. Ouais. Donc je pense que ça peut faire ça. Non, mais je pense que même pour les plus grands, il y a un côté. Vous pouvez écouter avec les enfants parce qu'il y a un côté vachement thérapeutique. Ça détend. C'est un plaisir. Ah bah la voix de Marlène Jobert, bah oui, ça, évidemment. Mais ça vaut autant que Vivaldi, c'est un instrument. Donc. Isabelle Mergo. Alors d'abord, je suis très contente de vous voir parce que je vous aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et je suis vraiment... je suis triste qu'on ne vous voit plus sur les écrans. J'adore votre bouille, quoi. J'ai votre voix, tout ça. Bon, alors les contes. Mes neveux savaient que vous alliez venir aujourd'hui parce que je les ai appelés hier. Et ils ont tous vos contes, tout. Et celui-là, je vais leur donner, quoi, parce qu'ils vous aiment beaucoup. Et mes neveux, ce sont des mergots et ils ont beaucoup de goût. Voilà. C'est drôle d'ailleurs, parce que... Je crois que dans votre premier film réalisé par Godard, c'était masculin-féminin, vous avez côtoyé Chantal Goya à l'époque, qui elle était comédienne, qui est devenue ensuite chanteuse pour enfants, et finalement, quasiment, vous faites le même parcours quelques années plus tard, pas tout à fait la même chose, mais tout de même, votre public aujourd'hui, c'est les enfants. Pas tout à fait pareil. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il s'est parlé aux femmes. Vous savez, moi, un jour, on ne s'était pas vus pendant 6 mois. Puis il me dit, mais t'as changé, toi. Alors je dis, ah, bah, c'est peut-être les lunettes. Non, c'est la coiffure. Non, c'est peut-être que j'ai grossi. Non. Alors je lui dis, pour rire, peut-être que j'ai pris un coup de vieux. Voilà. Donc, Non, mais dans ma bouche, d'abord parce que j'aime... Bien, Chantal Goya. Dans la bouche, c'était absolument pas une vacherie, je disais. Non, mais d'abord, parce qu'à l'époque, pas. Elle était bonne comédienne, je crois, dans ce film. Elle était très, très bien, voilà. Masculin féminin. On y croyait. On y croyait. C'est après qu'on y croyait plus. C'est pas faire offense à Chantal Goya de dire qu'elle n'a pas vraiment marqué le cinéma international. Non, mais elle a quand même marqué les chansons pour enfants. C'est indéniable, ça. Non, franchement, non, c'est vrai. Je trouve que Chantal Goya a beaucoup de talent, certainement, mais elle parlait aux enfants comme à des imbéciles. Je suis désolé. Moi, j'étais dans la salle. J'étais gênée qu'elle parle comme ça à mes enfants. Alors, ça va bien, vous êtes contents? Oh là là, on va s'amuser. Et bien, vous leur parlez intelligemment. Parfait, ben écoutez, voilà, la différence est faite. Jean-Luc Lemoine. Non. Il fait peur. Pourquoi il vous fait peur? C'est pas, il Frankenstein vous fait peur. Non, j'ai lu le conte. Non, j'ai bien aimé et tout. C'est un conte intense. Madame Petsec, elle est vraiment pas sympa. Ça, c'est un bon nom de maîtresse. Voilà. On aurait aimé avoir une Madame Petsec à l'école. Hein. C'est vous qui avez trouvé ce nom, évidemment. C'est trop drôle, Madame Petsec. Et il y a juste une illustration qui m'a fait bizarre. Je trouvais ça un peu osé, parce qu'on voit bien que le petit requin, il met une main aux fesses à sa petite copine. Voilà. C'est vrai, ça, dit non, mais sinon, c'est vrai que c'est super joli. C'est vrai que vous avez une voix qui est véritablement... Qui donne envie de dormir. Non, pas du tout, au contraire. Vous avez envie de tester cette voix. Oui, parce super. Que moi, je trouve cette voix magnifique et tout. Et puis là, aujourd'hui, c'est la thématique Halloween. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit plaisir, c'est-à-dire lire un conte d'Halloween avec une musique classique? Voilà, si vous voulez bien vous mettre au centre... Ils sont sympas, ces deux-là. L'histoire que je vais te raconter se passe dans une mystérieuse forêt. La forêt des têtes coupées aux sécateurs. On l'appelait comme ça parce que, par le passé, de nombreux campeurs avaient été retrouvés décapités aux sécateurs. Un jour, Tom et Tim, deux joyeux copains, enfin, c'est ce qu'ils disaient parce que dans le village, beaucoup pensaient qu'ils étaient plus que des copains. Genre à se rouler des pelles et tout. Enfin bon. Mais enfin, peu importe, Tom et Tim partirent camper dans la forêt des têtes coupées aux sécateurs. Fatigués par de longues heures de marche, Tom dit à Tim : Et si on plantait la tente, Tim ? Pourquoi pas ? Répondit Tom en sortant quelques sardines de son sac. Tim prit la tente et essaya de la monter. Il était beau dans l'effort. Des perles de sueur commencèrent à couler sur son poitrail velu. Collant contre sa peau, son t-shirt déjà très moulant. Bon, Tom, fébrile, distrait par ce spectacle troublant, planta, sans le faire exprès, une sardine dans la main de Tim.
Fitim. Idiot, tu m'as percé la main avec ta sardine. Oh, excuse-moi, j'ai dérapé, mais n'aie crainte, hein, je vais arrêter l'hémorragie en te coupant la main. Tom attrapa une machette et coupa la main de Tim, qui arrêta de saigner de la main puisqu'il n'en avait plus. Bien joué, Tom, dit Tim. Tu as arrêté l'hémorragie. Bah, je n'ai pas de mérite, j'avais une bonne machette. Quand même, tu as été très fort, tu mérites un baiser. Tim posa son moignon sur l'épaule de Tom et commença à approcher son visage du sien pour lui prendre la peau. Firent les lèvres. Puis, splash, firent les têtes en tombant par terre, parce que pendant qu'il se roulait une gamelle, un monstre horrible était sorti d'un buisson et leur avait coupé la tête aux sécateurs. Voilà, ils ne vécurent pas longtemps. Ils n'eurent pas d'enfants. Alors là, bravo, belle performance. Très, très belle performance, Marlène. Ah non, non. Franchement, Jean-Luc, vous n'en rêviez pas autant. Hein. Non, magnifique. Ouais. Attends, la première prise, magnifique. Et il faut le dire, Marlène Jobert découvrait sur notre prompteur le texte. C'est dire que la performance est au niveau. Bravo. Tout à l'heure, Isabelle Mergo a dit, moi, vous me manquez au cinéma, mais finalement, il ne l'a pas posé la question. Moi, je vous la pose à chaque fois, donc je vous la repose. Est-ce que vous allez revenir au cinéma? Est-ce que vous allez m'écrire enfin un scénario qui tienne debout? Ah bah voilà. Tiens, Jean-Luc, on s'y met? Ah, je veux bien. Isabelle, vous qui écrivez les dialogues et les scénarios. Hein? Ah, bah t'adore. Voilà, on s'y met à plusieurs. Vrai, moi aussi. Ah, ouais. Eh bien alors. Bah, c'est quand même Isabelle qui a signé Meilleur Espoir Féminin, le film de Gérard Jugnot. Quand même un formidable. Mais je ne savais pas. Mais oui. Regardez, elle est fière, notre Isabelle. Et comment ça va au théâtre? Bah, très bien, c'est la carité, quand vous voulez. Ah bah, je viens, bah, ah je oui, venez. Venez. Mais qui a écrit la pièce, là, au fait? Oh, c'est moi qui c'est ai fait C'est tous la... ensemble? Ah non, c'est lui. C'est lui tout seul. Tout seul. Et nous sommes mariés, tous les deux. Bah, nous faisons et mon amant, c'est Raphaël Mesrahi. C'est pour vous dire qu'il faut que j'ai beaucoup de talent de comédienne pour faire croire que tu es amoureuse de Raphaël. Aux éditions Atlas, le vieil homme qui faisait danser les saisons pour faire découvrir la musique de Vivaldi à vos enfants et leur faire aussi peut-être découvrir la formidable voix de Marlène Jobert, un conte écrit par elle-même. Marlène Jobert, merci. Merci à vous. Dernier invité pour Halloween. Après Loana et Leslie, c'est désormais Romain du Loft 2, plus connu sur ce disque sous le nom de Romain Cabon, qui se lance dans la chanson, puisque la semaine dernière est sorti son premier single « Je veux t'appartenir », un premier extrait d'un album prévu pour 2003. Pour le resituer, Romain dans le Loft 2, c'est celui qui a essayé de se faire toutes les filles du Loft et qui a réussi à faire chavirer le cœur de Thomas. Pour tester la chanson « Je veux t'appartenir », recevons tout de suite Romain Cabon. Bonsoir. C'est d'un bon goût, alors. On aura tout fait faire à nos invités ce soir. C'est affreux, ça. On va remercier d'ailleurs tous les invités qui sont venus ce soir, qui se sont prêtés au petit jeu d'Halloween. Merci à vous parce qu'il fallait oser. Ouais, ouais, ouais. Franchement. Dans la même année, rentrer dans le loft et ensuite dans un cercueil, il fallait le faire quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils pas. Est-ce que c'est confortable? Parce que c'est bon à savoir pour l'avenir. C'est confortable, oui. Ah, c'est bien. Alors très bien, parlons de Je veux t'appartenir, mais avant d'en parler, écoutons tout de suite un extrait du clip. C'est parti. Je veux t'appartenir, tu n'as qu'un mot à dire. Quand nos lèvres se rassemblent, moi je tremble. Je veux t'appartenir, si on ne peut prédire que l'on est fait pour vivre ensemble. Je veux t'appartenir. Premier single,
Un album est prévu. Un album est prévu pour début mars. Début mars, il y en a écriture. Ah oui, il faut espérer, parce que ça, c'est du boulot de feignant quand même. Il y a juste un titre. Franchement. Et vous serez sur scène à Biarritz le 8 novembre, au Forest National de Bruxelles avec d'autres artistes. Oui. Le 11 novembre, ça, à Bruxelles, donc en Belgique. Et le 19 novembre à Poitiers pour l'association Les Petits Princes en compagnie d'autres chanteurs. Est-ce que c'était votre souhait, votre rêve? Oui, c'était. Quand vous êtes inscrit dans Loft, c'était pour devenir chanteur? Non, c'était pas pour ça. C'était par curiosité. J'étais dans Loft par curiosité. Et j'étais très content de ma prestation à l'intérieur. Et je regrette rien. Tout ce que j'ai fait, je l'assume. Et je suis vraiment très content. Mais c'était pas mon premier rêve. Et alors, pour faire l'émission. La chanson d'un seul coup, alors? Non, parce que. Vous étiez musicien, quand même. Oui, j'étais musicien. Mais j'ai envoyé déjà plusieurs maquettes dans des maisons de disques. Et voilà, j'ai eu plus l'opportunité de le faire maintenant. Voilà, je suis très content de le faire. Il faut saisir l'occasion. Je suis très content. Voilà, oui, tout à fait. Annie Lemoine, vous avez écouté Romain Cabon? Oui, alors, Romain Cabon, vous déclarez « Je veux t'appartenir ». Est-ce que vous pouvez le prouver? Annie Lemoine, vous avez envie donc d'appartenir à Romain? Alors, évidemment, je ne suis pas dans mon état normal, hein, vous l'avez remarqué. Oui, ce soir, il y a peu de chance. Hein. Non, écoutez, moi, ça m'a fait penser, c'est marrant. Et quand j'ai écouté votre single, je pense au single de la maturité d'ailleurs, ça m'a fait penser à... J'ai pensé que Dao aurait pu le chanter. Mm-hmm. Ça vous, c'est pas une offense pour vous de... Mais il n'a pas voulu. Non, mais... Donc, je trouve ça vachement sympa. Non, je trouve ça très sympa. C'est vrai qu'il y a un petit reproche. Je devine, sous ce que vient de dire Annie Lemoine, un reproche que moi, je ferais à la chanson que j'ai écoutée aussi, c'est que là, on entend trop la musique par rapport à votre voix. C'est vrai. On me l'a un peu reproché, mais... C'est un début, hein, c'est une première. Mais donc, on le prend comme ça. Il y a des défauts. Ça peut faire une bonne farce pour Halloween. Hein. Bon, ça va. C'est bien. Et bon, ça va, hein. On attendait à qui? Ça va, vous l'avez pas écouté, vous. Allez, deuxième. Non, c'est... Écoutez, nous, on est là pour vous encourager. Parce que merci, d'abord, franchement, c'est l'occasion pour vous d'avoir fait l'offre de sortir un album, de vous consacrer à la musique. Si vraiment c'est ce que vous aimez faire, eh ben, tant mieux, on vous souhaite beaucoup de succès. Maintenant, on peut quand même, et c'est normal, émettre quelques petites critiques pour le premier single. C'est normal. Hein. Sophie. Ben bon, j'attends l'album, parce que Je veux t'appartenir, ça, c'est fini pour moi. C'est terminé, ça y est. Assez bobo, assez de blessures, j'ai assez attendu le téléphone. Ça ne sonne pas, donc Je veux t'appartenir. Déjà, le texte me fait peur. En revanche, votre physique avantageux m'intéresse. Donc le prochain album, je feuilletterai l'album en regardant toutes les photos, les images. Et peut-être j'écouterai les textes. Gérard Miller. Qui a envie de dire du mal de vous? Je vois pas au nom de quoi je dirais du mal de vous. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne trouve pas la chanson convaincante. Mm-hmm. Pour des tas de raisons, elle n'est pas convaincante. Mais bon, c'est votre premier single. Vous sortez, vous êtes sous le feu de l'actualité. Bon, laissons-les vivre. Moi, je pense pas qu'il y aura beaucoup de survivants. Déjà, du Loft 1, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe, à part Stevie et quelques-uns. Donc, on se dit, au nom de quoi on va leur dire qu'ils n'ont pas le droit de venir là? Ce qui est un peu fatigant, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui arrivent actuellement que ça épuise un petit peu notre sens de la compréhension. Tu réponds à des questions qu'on pose pas. T'es en train de dire, donne-moi pas pour toi, parce que moi, je n'ai pas aimé ce disque. Moi, je n'ai pas accroché à ce disque, je l'ai écouté une seule fois. Voilà, c'est ça. Et je ne vois pas pourquoi je dirais du mal, parce qu'il y a certainement des mérites. Et surtout, je souhaite que vous continuiez, je souhaite que vous profitiez de cette chance. Un petit rappel des faits, jusqu'ici, il n'y a que moi qui l'ai trouvé sympa. Merci. Oui, mais attends, quand tu dis... Il veut se le faire. Quand tu dis qu'il n'y a plus beaucoup de survivants, je suis désolé, les autres vivent encore, parce que quand tu dis qu'il n'y a plus beaucoup de survivants du Loft 1, oui, ça veut dire que les gens ne peuvent vivre que sous le feu des médias. Heureusement, il y a plein de gens bien qui vivent dans l'anonymat. Mais on sait très bien que les gens qui font partie du Loft veulent vivre autrement que dans l'anonymat. C'est dans ce sens-là qu'il disait aussi. Isabelle Mergo. Alors moi, Romain, je l'ai écouté et je pense que c'est très prometteur. Vous n'êtes pas menteur parce que ça s'appelle « Je veux t'appartenir » et c'est vrai que vous le dites au moins une vingtaine de fois. Donc il n'y a pas publicité mensongère, c'est ça que je dis. Jean-Luc Lemoine. Non, c'est un très beau disque, il est rond. en plus, on se voit dedans, que ça peut servir de miroir de poche. Mais si je dis ça, c'est parce que, comme disait Laurent, le problème, c'est qu'on ne peut pas juger votre voix parce que c'est tellement mixé fort
qu'on ne sait pas exactement. Donc c'est vrai que le mixeur ne vous a pas rendu service et on ne vous entend pas assez, je trouve. C'est vrai qu'on me l'a dit, on me l'a dit bien après. Et bon, mais ce n'était pas mon travail de mixer. Moi, je ne pas savoir, mais ça va vous servir de leçon pour le prochain. Voilà, là, je crois qu'il faut un brouillon. Ben écoutez, moi, il est franc, lucide, sympathique, ce garçon. Très mignon. Raphaël Mesrahi. Ouais, j'ai. Bah. Ouais. Alors, donc, après, non, j'ai écouté le disque, absolument. Mais t'aurais dû enlever quand même le cellophane. Non, mais j'ai enlevé le cellophane. Alors, Raphaël. Ouais, alors, moi, j'ai adoré. Merci, Raphaël. On va passer. Je vous en prie. Non, j'ai adoré le bateau. C'est quoi comme. C'était à vous ou vous l'avez loué pour le clip, clip. Dans le clip. Ouais, dans le clip. Ouais. C'est juste pour le clip. Non, non, c'est pas moi. Ouais. J'aurais bien voulu. Hein. Ouais. C'est à Saint-Tropez parce qu'on dit. C'est vrai que chaque année, quand les. Enfin, chaque année, ça fait deux ans seulement, mais quand les lofters sortent du loft, c'est l'été à Saint-Tropez. Donc, vous êtes allé à Saint-Tropez et finalement, ça vous a plutôt réussi puisque c'est là-bas que vous avez rencontré celui qui a travaillé pour cette chanson, ouais. Johnny Williams. Oui, 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 qui s'est fait possible Laurie. Voilà, qui écrit pour Laurie. Oui, et non, ça a été une belle rencontre. On vous voit sur cette photo-là, vous vous lavez les pieds, là. Hein. Voilà, exactement. Ah, y en a ça, j'attends quelque propre, chose, hein. Mais avec cette réflexion, oui. Parce que moi, je savais pas, j'ai pas tout suivi, mais on m'a dit « Ah oui, oui, Romain, c'est celui qui fait des pieds dans le loft. » C'est quoi cette histoire-là? Mais ça me colle un peu à la c'est peau. Quoi, c'est quoi cette histoire? Vous avez vu les pieds, vraiment? Non, non, non. Mais pourquoi ça vient d'où? J'ai pas vu moi, alors je veux savoir. Deux ou trois fois par an, comme tout le monde, mais. Non, mais c'est ça, mais ça vient d'où alors cette histoire? Ça vient d'une histoire à l'intérieur du loft où j'avais dû mettre mes baskets sans chaussettes et je les ai enlevées, voilà. Oh, banal! Non, comme il y a très peu de choses à prendre dans cette émission de Real TV à l'intérieur, le moindre petit détail, j'ai remarqué, mais je le savais avant d'y arriver, c'est pour ça que je ne suis pas resté. Mais vous êtes bien dans vos baskets quand même. Très bien, je suis bien. Et puis maintenant, il va toucher les droits d'odeur. Il y en a que vous revoyez depuis, avec non. Qui vous êtes resté copain, par rapport à tous ceux qui étaient dans l'offre. Il y en a quelques-uns que j'arrive à revoir. Félicien ou Thomas, j'arrive. Votre amoureux. Thomas, j'ai un peu moins de nouvelles, puisque je crois qu'il vit une belle histoire d'amour en ce moment et il a besoin. Ah oui, c'est à casser. Il n'y a jamais eu rupture. Ben non, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai appris ça en lisant votre doc, c'est que vous avez fait de la vous lui faites de la provoque au pauvre Thomas. Oh. Vous créez votre boîte de prod et vous l'appelez Pax. Ouais. Production artistique, communication spectacle. Spectacle. Appelez sa boîte de prod Pax quand vous en avez un qui vous court après depuis un moment. C'était et justement, oui, pour faire taire tout ça et puis tous les gens de la production et du métier qui écrivaient des papiers aussi sur des trucs comme ça, quoi. Et j'ai dit, bah, on va l'appeler Pax. Et voilà, ça fait rire beaucoup de gens et moi, j'en suis très content. Bon, salut Thomas, qui écoute en boucle du matin au soir, je veux t'appartenir. Romain Cabon. C'est son premier single. Bah, écoutez, on vous souhaite autant de succès, par exemple, qu'à Félicien, avec sa Koum Koum Mania. Puis on vous souhaite surtout de bien travailler pour le reste de l'album pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission? Mais pourquoi pas. Il y a un test. J'ai oublié le test. Ah bah alors. Oh, j'ai oublié le test. Ah bah alors. Vous n'allez pas nous lâcher comme ça, vous savez. Bon, c'est pas un problème. C'est pas grave. C'est pas fini. Vous êtes prêt à rester encore quelques minutes? Je suis très bien ici. Premier petit test qu'on voudrait faire avec vous, Romain, et spécial Halloween. Essayez de reconnaître vos camarades du loft qu'on a un peu transformés. Okay. Allons-y. Karine, bravo, c'est vite fait. Hein. Ouais. C'est pour Halloween. Hein. Elle, vous la voyez toujours? Oui, et que j'adore d'ailleurs. Très sympa cette fille. Hein. Autre lofter ou lofteuse? David. C'est David, on le reconnaît quand même. Hein, même ouais, que je vois moins. Lui, on le voit plus beaucoup, hein? Non, mais moi non plus, je le vois plus beaucoup. On sait pas ce qui est devenu. J'ai aperçu dans une publicité, je crois. Autre lofter ou loftos, ta gueule, toi. Ah, pas facile, là. Loana. Attends, parce que c'est loft 1, loft 2 confondu, attention. D'accord, hein. Donc Loana, oui, bien sûr. C'est Loana? Je pense, oui, c'est ça. Ouais. Eh ben oui, c'est Loana. Vous avez hésité, c'est drôle. Ouais, non, mais elle était bien. Comment ça, elle était bien? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle était bien étirée. Bon, autre lofter. Bah Thomas. Thomas, il est bien comme ça, Thomas. Il est pas mal, ouais. Un autre encore ou une autre? Oula, Marlène. Marlène, exact. Elle, vous la voyez toujours? Non, c'est une nouvelle. Hein. Et là, c'est un succès avec Phil Barnet aussi. Oui, hein. Oui. C'est un grand succès aussi pour Phil Barnet, je crois que t'as été un des grands gagnants du loft. Un autre? Oula. Ah oui, c'est Stevie, c'est ça, Stevie. Non? C'est Stevie, pas bravo! Je ne connais pas. J'aurais reconnu. J'aurais reconnu aux dents. Autre lofter. Oh, Félicien, oui. Félicien, facile. Dernière photo. Oui, on n'a pas transformé, c'était c'est pas la évident. Peine.
revanche, Leslie, puisqu'on doit l'appeler Leslie, il ne peut pas la confondre avec l'autre chanteuse qui s'appelle Leslie et qui fait un carton. Elle a eu un peu plus de mal avec sa chanson. Elle a eu du mal, oui. C'est dommage parce que finalement, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Et je revendique, c'est vraiment quelqu'un de bien. Comment ? Non, mais si elle fait des disques qui ne plaisent pas, elle peut être très bien aussi. Hein, c'est pas... Ça veut dire que ce n'est pas gagné à tous les coups, en tout cas. Ça veut dire que ceux qui marchent plaisent au public. Voilà. Alors, on vous souhaite la même chose. Romain Cabon, vous restez pour la dernière séquence qui s'appelle Le qui t'as vu qui. Le qui t'as vu qui, c'est parti. Alors, attention, des photos découpées dans les hebdomadaires ou dans les quotidiens du jour. Attention, c'est parti. Premier qui t'as vu qui. Regardez bien, c'est quelqu'un qui regarde avec des jumelles, mais elles sont obstruées. Ah oui, alors ça, c'est George un Bush. Crétin, c'est George Bush. C'est George Bush, exactement. Vous aviez vu cette photo, Gérard? Et encore, il les a mises dans le bon sens. Ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Vous savez, c'était la célèbre photo qu'on voyait là. Non, elle est amoureuse, Gérard. Il y avait une célèbre photo d'un ancien président des États-Unis où on voyait sa photo et marqué en dessous « Est-ce que vous prendriez ce type en autostop ?» Alors, quand vous voyez cette photo, est-ce que franchement vous lui laisseriez la direction d'une opération militaire en Irak? Ça, c'est sûr que non. Autre kikabuki. C'est Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dans son prochain rôle au cinéma. Bravo, Romain. Exact. Un autre kikabuki. Messier, Jean-Marie Messier. Bravo Gérard Muller, c'est Jean-Marie Messier. Alors là, vous êtes fait une spécialité de Jean-Marie Messier, vous. Non, mais je connais bien sa vie, son œuvre. Puis là, on voit à son sourire et à sa gentillesse que c'est quelqu'un qui a un avenir prometteur. Autre qui a vu qui? Ah, Tonton Julot. Quoi? Tonton Julot, c'est qui? Bah, c'est un oncle à moi qui fait tout le temps du vélo. Harrison Ford. On lui a soufflé. Oh là là, ça c'est pas bien. Alors ça, il a des oreilles, c'est bavard. C'est incroyable. Pompon, dis la vérité. Si, je l'ai entendu. C'est effectivement Harrison Ford. Bravo Gérard, quand même. Il a gagné. Romain, je veux t'appartenir. C'est son premier single. Il chantera sur scène le 8 novembre à Biarritz. Ah bah tiens, j'y serai à Biarritz. Peut-être viendrez-vous voir, tiens. Là, je pourrais vérifier comme volontiers. Ça. Volontiers, comme ça, voilà. Mais qu'ils mettent pas la musique trop forte, hein. Non, franchement. Non, mais faudra leur dire. Ah, je leur dirai. Vous passez où à Biarritz, vous savez? Non, je sais pas exactement. Bon, je me renseignerai le 11 novembre à Bruxelles, au Forest National, et le 19 à Poitiers. Voilà, Romain, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite bonne chance. Quant à nous, on se retrouve demain vers 18h55. Bon Halloween, bonne fête de la Toussaint. Soyez prudents sur les routes. Bye bye.